Bonjour à tous les gamers, on se retrouve aujourd'hui sur WWE avec GSO Gaming. Alors là je suis parti pour améliorer donc les attributs. Nous allons 141, ok. Bon, je vais regarder ce qui est faible, donc la puissance tête et corps, ça c'est faible. Résistance, excusez-moi, c'est pas puissance, c'est résistance. Les contres, on va augmenter les contres, ça déjà ça peut pas être mal. 55, je sais mettre 55 les deux, je peux pas. On va faire ça comme ça. Et du coup, il nous reste 9, on va être vitesse frappe. Voilà, tout simplement. Donc, on se rappelle que j'ai essuyé pas mal de défaites. Les deux ou trois dernières vidéos, je sais plus. Enfin, deux vidéos sûres, je suis quasiment sûr. Trois peut-être, je sais plus. Donc, on va essayer de pas reprendre la même chose. Alors, au NXT, chaque match te fait gagner en popularité auprès des fans. Et plus t'as de fans, plus t'as de chances de pouvoir concourir pour le titre. Alors, tâche de garder des fans impliqués à ton prochain match. Oui! Ah bah, Tommy Wall! Bien entendu, Tommy Wall! Ça aurait été étonnant. Tommy Wall. Ça tourne quand même toujours les mêmes... Enfin, en même temps, j'arrive pas à gagner, alors... Peut-être pour ça aussi. Peut-être pour ça aussi, j'ai toujours les mêmes personnages. Mais bon, on va arrêter d'essuyer les défaites, et puis... on va voir ce que ça donne. En même temps, faut qu'on arrête aussi, quoi. Il y a mon temps et défaite, ça va bien, mais il y a mon temps, c'est chiant. Je passe les intros, hein, parce que les intros, on a déjà vu ensemble, que ce soit Tommy Wall ou de Bilal. Donc, voilà. Là, on va se concentrer uniquement pour les matchs, et je vais le défoncer, sa mère! Non, mais oh. Allez. Hop là, et... Boom, bitch! Ah, je vais pas le lâcher, mes pères. À la foutre. Oh, oh, that did it. What a beast the monster's been so far. Allez, hop. Hop là. What a kick that was. Hop. Ouais. Et comme on a raté la prise, j'ai été un peu trop près. Mais c'est pas grave. Allez. Hop là, on le lâche pas, on le lâche pas, on continue. And there's the reversal. Oh, a huge slam. Ah ouais. Big kick. Merde. And the monster with tremendous. Tu dis quoi, je te lâcherai pas, mon pote. Ça, c'est hors de question. What an impact from that kick. Je t'avais dit dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'améliorerais un peu les prises. Là, vous voyez un peu toutes les prises que j'avais améliorées. Je crois qu'on les a pas tous vues la dernière fois. Oh. Voilà. You hear how his leg connected? Allez. Hop. Et... Wazza! Crushing leg drop. Allez. Hop là. Voilà. A textbook reversal. Can he follow up? Allez, bouge. Allez, on va reprendre un peu le bras. Voilà. Je le défonce, mais royal. C'est même méchant, quoi. Ah, putain, foiré. Merde. Chier. Et merde. Oh, wait, nice reversal. Oh, foiré. Merde. Tu rêves, mon pote. Tu rêves. Boy, did he get dropped or what? Clairement, c'est hors de question que tu me battes, quoi. Mais complètement hors de question. Oh no, massive damage done there. Allez. Ouch!
Talk about catching a beating. He used all his weight on that leg drop. Allez, on s'occupe un peu des jambes. On se occupe un petit peu de la même jambe. Voilà. Merde, loupé. He needs to dig way down deep if he wants to keep going now. Wow, that might have broken his jaw. Ah, putain! Aïe. Oh, there it is! And a monster with tremendous power. You hear how his leg connected? Allez, wow, dégage. Did you see that? That was unreal. Ouais. Tu te relèves, Bilal, s'il te plaît, parce que là... Look at this. Allez, hop là. He's just barely moving. I'm not sure he can get back to his feet. Just trying to goad his opponent into making a mistake here. Ah, je me dépêcherai, mon pote, parce que... Yeah. T'as pas mal, hein. Intimidation there. Non. Comment c'est trop abusé. Comment c'est trop abusé. Merde. Allez. What a reversal. Tu le sais, là tu vraiment tu le sais. Kick. Putain. The physicality. He can barely stand, but he still presses on. Putain. And he hits a big time leg drop. Ah, il se venge. Oh! He almost took his head off with that lariat. Ah bah bien sûr. He thinks he has it. Two. Ah, dégage. Oh, reversal. Oh. Whoa, he's measuring. Allez, coup spécial. Oh, ah là, un beau brise d'eau. Et un beau petit finisher. Et après, on va faire le tomber. Et là, je pense que ça va être cuit pour sa gueule. We might be seeing the beginning of the end. The monster, relentless. I love watching these replays. Allez. This could do it. Two, three. Allez, ça y est. On a arrêté de faire des défaites là, ça y est. Là, on l'avait motivé là. Pas de problème. C'est hors de question qu'on ait sur encore une autre défaite. Hors de question. Ah putain, ça fait plaisir. Here is your winner, the superstar Arden White. An emotional victory here tonight. Man, oh man, what a battle! Allez, match suivant. Ah putain, ça c'est bon ça qu'on arrête les. On arrête d'essuyer les défaites. Là c'est bon, ça fait plaisir. Excellent en plus. Allez. Alors là, je vais faire le deuxième match. Et après, on va essayer autre chose. Aujourd'hui, je vais annoncer l'aspirant numéro 1 au NXT Championship. Je reste à l'écoute. Ok. Ouais. Ah, Bo Dallas. Encore toi. Encore toi. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on joue ensemble, hein. C'est un peu vite déjà, hein, mon gars. Avec tes cheveux bien gras, là. Ah là là. Là, c'est pareil, hors de question qu'on perde. Je veux une vidéo avec deux matchs gagnés. Voilà, déjà, on commence. Ouf, enfin... Ah, c'est bon ça dans les couilles, hein, mon garçon. Ah ouais, tu me dégages. Bo Dallas, the reverse. Sans stress. Down goes Dallas. Moi aussi sans stress, je suis par terre. It, kid. I don't care how good you are. Ah là. Best drop from time to time. What a beast the monster's been so. Allez, lève-toi. On se merde. A battle of wills now. Allez, voilà. Allez. Voilà. Allez. A clothesline out of nowhere. Allez. Voilà.
On met le dos en place. Et voilà la super prise que j'adore. Tranquille, à faire des pompes dessus. Oh, out of nowhere. Et attention. Et hop là. Eh ouais, mon gars. Allez, on va le petit bras un petit peu. Voilà. He's putting those educated feet to good use. Attention. Et hop. Et non. Hors de question, mon pote. Hors de question. Merde. Qu'est-ce que tu me fais? Il me balance d'un côté, puis l'autre. Merde, trop tôt. Dommage pour ma gueule. Vraiment dommage. Merde. Merde. Ah, puis la fumasse, oui. Quand il a fumé, c'est la fumasse. Finalement, après, il me lâche plus. Hein. He saw that one coming. He's still not through. Hop là. Allez, recommence. Ça met bien les caches thoraciques en place, les bras en place, ça met un peu tout là. Fire. And a monster with tremendous. Allez, vas-y, tourne les cordes. Oh, that's devastating. Boy, did he get dropped or what? Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ah, putain, Bo Dallas, the reversal. Aïe, putain. Ah, putain, trop tard. Ah, shit. Fuck. Playing mind games. Yeah. Battez-vous. A little intimidation there. Ouch. Voilà. Ah, tu l'as pas vu venir, mon coup de pied, hein, mon garçon. Et non, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Non. Allez, viens là, va dans ses cornes. Foiré. Ah, il a encore une bonne endurance, hein. Merde. Great reversal. Il casse les couilles. Oh, what a beautiful kick. Et hop là. What a fierce. C'est pas mal le contrer. Hein. J'ai bien apprécié par contre. Viens là, viens bien au centre là pour montrer comment t'es nul. Allez. Hop là. Allez. And did you hear the impact on that? Je vais laisser un petit tomber parce qu'il a l'air quand même assez mort. With a cover now. No, he kicks out at 2.5. Vous pouvez tenter, hein. Ça ne coûte rien de tenter. Allez, reviens au milieu là. Voilà. Hop là. Putain, mais il a encore de la résistance. Hein. Non, pote. Down goes Dallas. Yeah, well, get used to it, kid. I don't care how good you are. Hop là. From time to time. With a 180. Là, à chaque fois, c'est la même prise qui passe pas. And down he chaque goes. Fois, chaque fois, chaque fois. Et ça va être la dernière avant le coup spécial. Oh, what an offensive voilà. And I think he's begging him to bring it. Tranquille. Ouais, relève-toi comme une grosse merde. Look out. Allez. Hop là. Ouais, grosse merde. He's begging for it. Allez, le finisher. Et ça va être la fin. Uh-oh, look at this. Oh, trying to put him away. That's it. He's done. Plus les finishers, je les ai pas changés, je crois. Oh, je change. I love watching these replays. And will this be it? Two. Et voilà, deux attaques, oui bien sûr, deux victoires. Et pas belle la vie. Let's go to the highlights. Franchement. Let's take a look at some. Oh, je sais qu'elle est belle la vie.
Vous avez promis deux victoires. Et voilà, je vous donne les deux victoires. Donc, je vais voir quelque chose avant de vous laisser. Parce que vous savez très bien qu'à chaque vidéo de WWE, je fais deux matchs et après je vous laisse. Donc, c'est exactement ce que je voulais voir. T'es définitivement l'aspirant numéro 1. Oui, bah ça, on connaît, hein. On a déjà été l'aspirant numéro 1 deux fois, il me semble. Donc, bon. Comme on dit, j'avais 203. Hein. Donc là, c'est la troisième fois. Et on fera tout pour avoir le titre. Tout. Alors, moi, je voulais voir mon personnage. Améliorer. On va déjà avoir les attributs. Il y a 235. Ok, ça marche. Dans ce cas-là, on va améliorer. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Les contre-coups. On va mettre 55 si on peut à tout le monde. 50 plutôt là. Et endurance, on va mettre un peu plus. Et puis voilà. Alors, voilà. Et je vais voir un truc. Acheter. Voilà. On peut s'entraîner avec les superstars pour avoir les mouvements de superstars. Et on peut aussi avoir un manager. Ce que je vous avais dit. Donc là, j'ai 16 000. Donc, je pense, honnêtement, je vais voir combien que ça coûte. Eh non. Je vous avais dit que j'avais un catcher favori. Et ce catcher, apparemment, coûte 17 500. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas l'acheter. Donc, la prochaine fois. La prochaine fois, 17 500, ben, je le prends. Voilà. Donc, bah, tant pis, je voulais faire ça c'est aujourd'hui, mais il n'y a pas assez encore. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vous laisse ça, les gamers. Et puis, je vous dis à très bientôt sur JSO Gaming pour de nouvelles vidéos de WWE. Ainsi que les autres vidéos que je fais. Allez, bonne soirée, les gamers.